Hey, salut à tous et à toutes, c'est King Lizard, on se retrouve sur Cities Skyline. Alors c'est Lanlanlu qui m'avait dit qu'il fallait que je regarde mon réseau de flotte. Bon, c'est vrai que c'est pas optimal, hein, mais ça fonctionne. Où est le problème? Franchement, il n'y a pas de problème. Bon là, voilà, je suis d'accord, il y a peut-être un petit problème. Tiens, on va supprimer ça. Voilà, mettre ça bien. Au pixel près. Et jusque là-bas. Et puis là, toute cette zone en plus. Parfait. Alors. Toujours cette zone-là qui va m'embêter, hein. Alors. Ah mais attends. Je vais le refaire. Bon, ça risque d'être chiant à gérer, mais je vais le refaire. Je viens d'avoir une idée. Alors, je vais avoir besoin d'une sortie d'autoroute. Est-ce que c'est intéressant de faire passer les gens par une sortie d'autoroute? Je réfléchis, attendez une seconde. Il faudrait que je leur donne la possibilité d'avoir accès justement à cette zone ici, mais directement. Je vais tenter un truc, je sais pas si ça va marcher. Hein? Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Je vais faire de la route en sens unique. Une qui sort par ici. Et qui vient... comme ça. Ouais. Alors, je savais que ça allait poser problème. On voit comme ça. Ça gêne pas le bâtiment là. Qu'est-ce qui gêne? Il y a rien qui gêne. Ouais, je sens que je vais galérer. Est-ce que t'es vide, toi? Voilà, je peux le déplacer. Il est vide encore. Tiens, viens par ici temporairement. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu chiant, mais il faut le faire. J'ai un trop gros problème de déchets pour ne pas le faire. Alors, je vais venir me coller par ici. Donc, c'est du sens unique. Ok, tu passes par ici. La misère.
Ok, bien ligne droite. J'espère que les camions auront accès avec toutes ces... Mais alors, tu me saoules, toi. Ligne droite. Je sais pas s'ils vont pouvoir passer, les camions. Voilà, ligne droite. Et sens unique, toujours. Hein, c'est la sortie d'autoroute. Bon, c'est complètement fou, mais bon, peut-être que ça va marcher. Et ici, dans ce sens-là... Ah, c'est tout ou rien, cette route, hein. Quoi, il n'y a pas de route là peut-être? Au long de cette route. 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 Il voit pas la route. Tu me saoules. Tu me saoules. Si ça peut te faire plaisir, je vais te faire une route comme ça. Voilà. Décidément, c'est vraiment le bazar ce coin. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Ça. Et insertion d'autoroute. Donc. Donc ça, ça ne va pas. C'est un peu abusé comme comme construction. Mais c'est complètement en dehors de la ville. Ça permet de rentrer par ici. Bon, ça va déplacer le problème, je suis pratiquement sûr. Mais on va tenter le coup. Ça, je vais le retirer. Ça, je vais le prendre en ligne droite. En ligne droite. À peu près droite, quoi. Droite à la mode City Skyline. C'est marrant, ça. Hein, il veut pas le poser ici. Il veut pas le poser par ici. Hein. Bah, tu sais quoi? Tiens, tu viens par ici. Je comprends. Là, franchement, je comprends pas, quoi. Bon, je vais attendre, voir un peu ce que ça donne. Et attends un peu, c'est pas du sens unique ça? Oh oh. Ah, il va se remplir vite, hein, c'est sûr. Tous les camions qui sortent, qui rentrent, ne peuvent pas sortir. Je vais perdre tous mes bâtiments, tous mes... J'étais pratiquement persuadé d'avoir fait du sens unique, mais non. Avec des arbres, parce que c'est plus joli. C'est du double sens. Mais non. Il m'a mis du sens unique. C'est un bug ou c'est moi qui bug? Double sens. Bon, j'espère que ça va marcher. Bon.
Bon, ça a l'air d'être moins congestionné. Je vais voir un petit peu comment ça évolue dans cette zone. Et celui-là, je vais le replacer aussi. Il était mieux à cet endroit. Ok, bon. Ça a été long et périlleux. Mais le problème de déchets va se résoudre. Je pense qu'on est large au niveau des déchets maintenant. Waouh. Les camions poubelles. Mon armée de camions poubelles. Qui cause un embouteillage majeur par ici. Pour faire demi-tour. Alors, on courbe. Page up. Ouais, mais... Ok. Toi... Ok. Toi, tu peux rester. C'est moche, je sais, mais peut-être que ça va marcher. Bon, en attendant que le problème de trafic se résolve. Voilà, ça y est. C'est quand même beaucoup plus fluide. Voilà, le système de loop fonctionne parfaitement. Sauf que ici. Ouais, ça est-ce que je peux pas le déplacer? Pourquoi je peux rien construire dans ce coin-là? J'ai l'impression qu'ils considèrent même pas qu'il y a une route par ici, pourtant il y a des belles routes là. Tu peux pas le nier tout ça. C'est quoi ton fucking problème? Tac, tac, sens unique. Ah, mais ça, c'est pas une... Ça, c'est pas une sens... D'accord. D'accord. J'ai fait que de la merde, en fait. C'est normal. Et pendant tout l'épisode, vous étiez en train de me dire « Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire, putain !» Je suis désolé. Je suis sûr que ce genre d'erreur, vous allez en faire vous-même en jouant à City Skyline. Et évidemment, je ne peux pas m'enorgueillir d'être un pro-gamer. Parce que comme je suis en multigaming, eh bien, je m'intéresse à toutes sortes de jeux, ce qui fait que je n'ai pas forcément le temps de m'y pencher et de les maîtriser à fond. Alors, double sens, cette fois-ci. Champêtre, hein, boisé avec des petits arbres et tout. Ça va être mieux. Tu viens par là. Jusque là. Bah, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Alors comment ça se passe ici? Voilà. Bon, c'est pas spécialement beau, mais ça va marcher, normalement. J'adore ça. J'adore ça quand les routes ne veulent pas se mettre comme je veux.
voudrais un truc à peu près droit. Donc ça, c'est du sens unique. Hein. D'accord, donc ça arrive jusque là. Mais dans le même temps, j'ai un sens unique qui vient par ici. Galère! Oh la misère que c'est ce truc! C'est la galère! Hein. Ces trucs-là sont vides. Non. Ouais, maintenant ils ne le sont plus vides. Ce qui risque de poser problème quand même. C'est pourri et ça ne marchera jamais. Oh, peut-être que si. Peut-être que là, ils pourront passer. Là, il me faudra du double voie, par contre. Je crois que la zone marron, qui est devant, représente la zone dans laquelle ils peuvent atteindre la route. Donc, si je fais ça... Ça, c'est du double sens, donc il n'y a pas de problème, ils pourront revenir par ici. Ils pourront entrer et sortir. En ligne droite, s'il te plaît. Et ici, en ligne droite. Sens unique. Tac, tac, tac. Ok. Donc, tu arrives ici, tu repars comme ça. En courbe, parce que c'est plus joli. Voilà, et tu viens en insertion. En insertion professionnelle. Oh, la bonne blague. Ici. Quelle pente trop inclinée? Qu'on m'explique où la pente est trop inclinée. Toi. Voilà. Toi. Hop. C'est quoi ton fucking problème? Et là. Et puis la route de tout à l'heure. 6 voies, ça serait complètement idiot. Enfin, en tout cas dans cette configuration là, je pense que c'est pas nécessaire. Du 2 voies avec des jolis arbres. Voilà. Donc ça n'a ni queue ni tête. Oula, problème d'eau. Parce que problème d'électricité à tous les coups. Oula, il y a toute une zone de la ville où il n'y a plus d'électricité. Alors ici, c'est pas connecté. Ici, la connexion se fait, pas de soucis. Ici aussi. Et au niveau de l'eau, normalement, l'eau, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors, ce que ça donne. Bon, il y a toujours ce problème par ici. Il faut que je vide. Hein. Je vais vider cette zone-là et remplir celle-ci. Est-ce que ici, ça va pouvoir marcher? Fonctionne normalement. Et il y a 9 camions en activité. Voilà, ils peuvent entrer. Hein. Donc c'est bien ce que je disais. C'est marrant parce que j'ai l'impression de passer ces épisodes à résoudre les problèmes qui sont liés directement au trafic plutôt qu'à autre chose. Et en fait, ce jeu, c'est ça, quoi. C'est pratiquement que ça. Alors, je vais faire un petit peu d'industriel de base. Dans cette zone-ci. En m'assurant que ma zone, elle s'étende bien de ce côté-là. Ouais.
Mais je vais aussi mettre un petit peu de bureau. Parce que ça avait l'air de bien fonctionner. Voilà, avec un petit peu de résidence en haute densité dans cette zone. Et voilà. Donc je sais que j'avais dit que j'allais pas mettre trop de résidences de haute densité. Mais finalement, ça a l'air de passer à peu près. C'est vrai que je commence à avoir des embouteillages. C'est surtout, dû au grand nombre d'intersections. Bon, ça va, hein, ça passe. Hein. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Ok. Cette sortie-là, elle fonctionne vachement bien depuis que j'ai mis ce loop. Et le problème, il vient toujours de là. Est-ce que ça serait pas moins con? De proposer cette sortie-là. Pas spécialement moins con en fait, hein, parce que ça fait un énorme embouteillage ici également. Et plus personne n'utilise cette voie-ci. Mais bon, ça permet de mieux faire passer les camions, les voitures et tout de ce côté-là. Donc c'est mieux. Alors ici j'avais eu l'intention d'upgrader mais je ne peux pas. En route, en double voie, comme ça. Pourquoi pas? Ah si, je peux. Bon, ça va pas mieux rouler, mais ça sera un petit peu plus écolo. Ouais, ça c'était du 6 voies par contre, mais c'est pas grave. Ça va marcher quand même. Est-ce que je peux pas mettre du 6 voies en sortie ici? Ouais, je crois que c'est mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Là, il y a comme un ralentissement. Enfin, ça va, ça passe. Hein. Ouais, le bazar qui est ici. Je suis pas persuadé de cette connexion ici. Hein. Ça va pas être mieux, hein, tu verras. Ils vont tous se retrouver là. Bon, on verra bien. Alors temporairement, tous mes camions poubelles se sont retrouvés dans cette courbe. Et là, ils vont tous se retrouver ici bientôt. Ah non. Ah, quelques-uns qui passent quand même. Bon, ok. J'espère avoir résolu le problème. Où en est-on au niveau de la demande industrielle? Il y en a toujours une belle. Apparemment, les immeubles de bureaux ne se développent pas tellement. Je vais faire une petite zone résidentielle ici, histoire de donner un peu plus d'habitation à mes bons petits gars. Et rajouter de l'industrie forestière. Grosse ville, ah, une grosse ville, avec 2 km par 2 km supplémentaires de débloquer une usine de traitement des eaux, ce que j'attends pratiquement depuis le début du let's play, et le crématorium, qui va faire super plaisir à tout le monde. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se voit très bientôt. Allez, salut!